La grande finale va commencer. Elle va commencer avec exactement 4 minutes de retard prévu sur l'horaire. Première mi-temps, Lourdes va jouer à gauche de votre écran, à droite Beziers. Attention à vos chronomètres. Le coup d'envoi est donné. Première mi-temps, 40 minutes, cette finale du championnat de France de rugby. Lourdes à gauche, Beziers à droite. Vallée. Touche. Touche à quelques mètres de la ligne de but de l'AS Beziers. C'est un autre que vous apercevez sur votre écran en ce moment à droite. Roger joue la touche. Français a sauté, Vallée. Vallée la base 8. Coup de pied à suivre de Marquet Susa. Pagnolo. Touche jouée par Ford. Ailier Lourdes. Balle bien prise par Cross qui a donné derrière. Vallée opération sur le côté fermé. Et Beziers, le pack part au pied. Nous sommes à 40 mètres à ligne de but de Beziers. La balle arrive dans les mains de Roger. Qui revient sur lui-même, qui prend la balle. Labazui. Maître coup de pied d'Antoine Labazui. Retourné. Qui reporte les opérations à 30 mètres de la ligne de but de Beziers. Touche jouée par Roger. Vallée. Labazui qui prend cette balle très basse. Et Beziers intercepte Arnal Rondi. Toujours à Beziers la balle, Pratangel. Et une touche très près de la ligne de but du Football Club de Lourdes. Touche jouée à 15 mètres de la ligne de but de Lourdes. L'ambiance est folle ici, il y a au moins 15 000 Viterrois qui encouragent l'équipe. Crancé a sauté, a pris la balle pour Lourdes. L'arbitre a sifflé, mêlé. Danos introduit la balle pour Beziers. À refaire. Encore une fois. Danos Rénal. Rénal Boggiano. Boggiano à suivre. Calvo de Lourdes. Touche. Non. De Dieu reprend. Et De Dieu, l'arrière de Beziers, trouve une touche superbe. À l'intérieur des 22 mètres de Lourdes. Fort. De Milon. Allez, le pack de Beziers est là. Nous sommes sur la ligne de but de Lourdes. Tout le monde s'écrase. Qui a touché le premier? Nous le regardons se relever. Et de toute façon, c'est une mêlée
à 5 mètres, ordonné par M. Louis Parot. Balle à Lourdes à refaire. C'est Vallée qui introduit pour Lourdes. Vallée. Coup de pied à suivre. Ils sont pris un peu à contre-pied des Viterrois, mais De Dieu est là. De Dieu prend la balle avec beaucoup de sang-froid. Oh, trouve une touche que Calvo n'a pu sauver, mais de justesse. Calvo s'est couché sur cette balle, mais il est sorti en touche avec. Je pense que c'est touche pour Béziers. Roger la joue. Nous sommes à quelques mètres de la ligne du but de Lourdes. Jusqu'à présent, le jeu est superbe, rapide, vif. C'est une finale qui part en trombe. Je dois vous dire qu'il fait chaud, temps légèrement orageux, terrain en parfait état. Et Roger introduit la balle pour Béziers. Roger. Roger, coup de pied à suivre, par le soleil des trois quarts de Lourdes, dans les mains de Calvo, qui fait un arrêt de volée. Je m'excuse, depuis le début, je dis Roger au lieu de Danos, c'est pas vraiment, vraiment, alors là, Pierre Danos, demi-mêlée internationale et demi-mêlée de l'équipe de Béziers. Je m'excuse de ce contresens. Parce que j'ai Roger sous les yeux, je ne sais pas pourquoi je dis Roger depuis le début au lieu de Danos. Ça, c'est unique, alors. Et je viens d'avoir Roger devant moi, précisément, et je me suis aperçu à ce moment-là que je devais dire Roger au lieu de Danos. Je pense que vous aviez rectifié de nous-mêmes. C'est Roger qui joue la touche, et c'est Danos qui a tordu la balle, bien sûr. Touche. Touche trouvée par Lourdes à l'intérieur, non exactement sur la ligne médiane. Ah, je ne reviens pas encore de mon histoire de Pierrot Danos là, ça c'est unique alors. Roger joue la touche pour Béziers sur la ligne des 50. Mêlée sur la ligne des 50 mètres. Introduction par Vallée. Coup franc. Mauvaise introduction de la balle par le demi-mêlée Lourdes. Et c'est Danos qui va essayer certainement de trouver une touche. Il a... Non. Finalement, c'est Calvo qui reprend cette balle et qui lui botte en touche et la trouve. Une touche au-delà de ses 22 mètres. Roger joue la touche, courte. Mêlée à 30 mètres à gauche en regardant les poteaux de Lourdes. C'est Vallée qui introduit pour Lourdes. Vallée la Bazuie. La Bazuie à suivre. De Dieu, qui évite la charge de Marquet Suza et qui botte en touche. Bien joué, De Dieu. Il n'a pas fait une faute depuis le début de la partie. Touche à 30 mètres environ de la ligne de but de Lourdes, à droite en regardant ses poteaux. Joué par Fort. Oh, qu'ils sont rapides, c'est troisième ligne, Viterrois. Oh, que c'est rapide, ça. Et finalement, c'est Calvo qui sauve en trouvant une touche superbe. Mais je crois qu'il ne va pas falloir que les Lourdes laissent traîner la balle avec des hommes comme Orondi, Arnal ou Jansan. Troisième ligne, extrêmement rapide en ce début de match. Roger joue la touche, légèrement à l'intérieur du camp Lourdes.
sur cette mêlée ouverte, très bien joué. Danos prend la balle, donne à Rénal. Et Rénal botte en touche. Ça veut dire que Martin est capitaine de l'équipe de Lourdes, alors que Pierrot Danos est capitaine de l'équipe de Béziers. Tariq joue la touche pour Lourdes. 35 mètres, 40 mètres de sa ligne de but. Crancé a fait le coup de main à la touche. C'est donné derrière lui, mais il a été cueilli en retombant. Mais ça n'est pas grave, il se relève. Et de toute façon, c'est un coup franc pour la S Béziers. Danos ou de Dieu? Danos appelle de Dieu. Pierrot Danos, capitaine de l'équipe, donne ce coup de pied de pénalité à Beauté, à l'arrière de Dieu, qui, on le sait, avait réussi un magnifique coup de pied tombé face à Pau, qui valut d'ailleurs la victoire à la qualification de Béziers en demi-finale. De Dieu, un coup de pied tombé, 40 mètres, tout à fait à gauche, regardez les poteaux de Lourdes. Balle trop courte, bonne direction, mais trop courte. Renvoi à 22 mètres. Par Lourdes qui fait un arrêt de volée. L'arbitre fait signe, continue à jouer. Et le pack Bitérois qui fait un travail considérable, essaie de partir en force, mais Marquis Suiza a essayé de percer. Gael qui donne à Taillantou. Oh, quel jeu d'avant extraordinaire. Voici Martine qui perd sur la ligne des 50 mètres. Marquis Suiza. Marquis Suiza, Manterola. Manterola. Et encore une fois, Marquis Suiza qui repart à l'attaque sur la ligne des 22 mètres de Béziers. Vallée en touche. Superbe. Ah, des deux côtés, ça joue. Touche jouée par Roger pour Béziers. Environ sur les 22 mètres de Béziers. Oh là! Il y a eu un coup de pied de Jansan. Je pense tout à fait involontaire. Vous l'avez vu sur votre écran. Il était en train de faire un dribble. Il a continué à botter sur la balle. Et c'est Jansan qui a botté, mais à mon sens, tout à fait involontaire. Il a continué sur son action. Et Antoine Labazui s'est relevé. C'est pas grave. Mais nous en sommes enchantés car c'est tout à fait involontaire. Coup franc pour Lourdes. À 40 mètres, à droite, en regardant les poteaux de Béziers. Et c'est Antoine Labazui qui, malgré le coup de pied qu'il vient de recevoir, va le botter. Antoine Labazui qui possède un coup de pied redoutable. Ah, il y est. Lourdes ouvre le score à la 12e minute. Et je marque 12e minute, Labazui. Coup de pied de pénalité, coup franc réussi. Lourdes, 3, Béziers, 0. Il y a 12 minutes que l'on joue exactement. Roger s'est échappé. Échappe à 4-5, Lourdes. Échappe la balle. Qui sera en touche. Roger joue la touche. Nouveau coup franc sur un mur de Lourdes. Nouveau coup franc pour Béziers. Cette fois, 35 mètres à gauche, les poteaux. Que va faire Danos? Il appelle de Dieu. Non, c'est lui qui va le tenter cette fois. En coup de pied tombé ou placé. Tombé, me semble-t-il. Coup de pied tombé. Pierre Danos. Oui! Sûrement! Oui, oh, magnifique! Et Béziers égalise 2 minutes après.
13e minute. Danos. Coup de pied de pénalité. Un coup de pied tombé. Beziers, 3. Lourdes, 3. Et de Dieu trouve une touche à proximité de la ligne des 50 mètres. Maintenant, je pense que je vous ai situé peut-être suffisamment les joueurs. Je vais me contenter de vous citer leur nom lorsqu'ils auront la balle et leur position sur le terrain afin que vous puissiez vivre cette finale comme si vous étiez parmi les 45 000 spectateurs du stadium municipal de Toulouse. Tariq. Crancé. Béziers a eu la balle par Guéraud, Danos. Calvo. De Dieu reprend la balle. Et De Dieu trouve une touche. Remarquable jusqu'à présent cet arrière de Béziers. Ainsi que Calvo d'ailleurs. Enfin, il est encore trop tôt pour essayer de sortir les joueurs ou de faire des considérations techniques sur ce match. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il est disputé avec un acharnement extraordinaire. Et qu'il y a eu aussi de très belles constructions de jeu de part et d'autre. Sur cette phase de jeu, vous avez vu Vallée, le demi de mêlée de Lourdes, qui a essayé de sortir cette balle à la sortie de touche et qui finalement est obligé de la remettre en touche. Et c'est Roger qui joue. Touche pour Béziers. Touche longue. Cross a été poussé par Andy. Nous l'avons très bien vu. Coup franc très mérité pour Lourdes. Car je vous assure que la télévision, ici, nous sommes absolument impartiaux. Et moi personnellement, tout à fait impartial. La base lui a beauté, a trouvé une touche à 40 mètres de ligne de but de Béziers. Joué par Roger, mais pas à droite du tout. Mêlée, avec introduction de Vallée. Vallée Labazui. Labazui marqué Susa. Martine. Calvo qui s'est intercalé. Qui n'a pas eu le temps de croiser avec Fort. Si, Fort à la balle, donne à suivre. Et finalement, c'est une touche. Mais l'arbitre avait sifflé. Monsieur Louis Parot sifflé en hors-jeu de Lourdes. Coup franc. Pour Béziers, c'est Danos qui va le botter. Et Danos a trouvé un lourd et un chemin qui, je pense, est fort. Et la balle est sortie en touche. Nous sommes à 30 mètres de la ligne de but de l'AS Béziers. Le score est de 3 à 3 et il y a maintenant 17 minutes que l'on joue. Vallée n'a pas eu le temps de donner derrière. Le pack de Béziers est là. Mène un dribble jusqu'à la ligne des 50 mètres. Lourdes ne peut pas arriver à ramasser cette balle. Le pack de Béziers continue. Et heureusement, Crancé est là et sauve pour Lourdes avec un coup de pied retourné en touche. Français qui est la révélation lourdaise et peut-être française de cette saison. Ancien basketteur, ancien footballeur, venu depuis 2 ans au rugby. Qui est un joueur tout à fait remarquable. Il fait 1m96, puissant, remarquable. Troisième ligne centre. Coup franc accordé par Monsieur Parot. Pour Lourdes à 48 mètres à ligne de but de Béziers. Et là, Bazui. Vent tout à fait léger, mais tout de même favorable à Lourdes. Je n'ai pas parlé du vent jusqu'à présent, car il n'est vraiment pas très fort. Légèrement favorable à Lourdes tout de même, en cette première mi-temps.
Trop court. Et Beziers contre-attaque. De Dieu a donné à Danos. Danos Rénal. Rénal fait le trou. Ils sont déchaînés. Les joueurs de l'AS Béziers continuent à garder la balle au pied. Finalement, c'est Danos qui la sort à nouveau derrière le paquet qui botte en touche. Sur la ligne des 50 mètres. Il est maintenant permis de se poser une question alors qu'il y a près de 20 minutes que l'on joue. Quelle est l'équipe qui va tenir pendant 80 minutes à ce rythme? Je crois que la solution de cette finale du championnat de France de rugby édition 60 tient simplement à la réponse à cette question. Qui va pouvoir tenir à ce rythme? Vous en savez autant que moi, étant donné que vous voyez le match aussi bien que les spectateurs qui sont au stade de Toulouse. Mais ce que je dois vous redire encore une fois, c'est qu'il fait chaud. C'est un élément tout de même assez important en finale pour mériter d'être dit et redit. Il fait très chaud. Et les joueurs risquent de payer leurs efforts du début. Nouvelle touche à 45 mètres, la ligne de but de Béziers. Touche jouée par Spagnolo. Lourdes part par Crancé en trombe sur la ligne des 22 mètres, coup de pied à suivre. Lourdes a toujours la balle, Mantero l'a donné derrière, Vallée la Bazui. L'arbitre siffle. Hors jeu de Lourdes, coup franc pour Béziers sur la ligne des 22 mètres. Pierrot Danos, capitaine de l'AS Béziers. Botte en touche. Encore une fois, elle est sauvée par Calvo. Et Calvo, botte en touche. J'ai près de moi des spectateurs qui sont en train de discuter pour savoir si le vent souffle vers la droite ou vers la gauche. En réalité, je crois qu'il souffle légèrement en faveur de Lourdes, mais tout de même d'une façon latérale. Non, mais le vent ne joue absolument aucun rôle en cette première mi-temps, ni en la deuxième, parce que jusqu'à présent, il n'est pas violent du tout. Coup franc pour Lourdes qui pourrait être dangereux. Avec la botte d'Antoine Labazui, il se situe à 40 mètres environ, mais tout à fait à gauche, regardant les poteaux de Béziers. Coup franc sifflé sur un hors-jeu de Béziers. Antoine Labazui. 35 mètres à gauche. Pas mal botté. Oui! ESPN Classique en partenariat avec icons.com, le plus grand fournisseur de souvenirs sportifs dédicacés, vous propose de célébrer les légendes du sport et vous donne la chance de gagner des cadeaux exceptionnels. Retrouvez les plus grands champions en pleine action sur ESPN Classique et gagnez des cadeaux légendaires en participant à notre jeu concours dès maintenant sur ESPNClassique.com. Motors TV, la télévision grande vitesse, c'est l'accès immédiat au meilleur des sports mécaniques. Des dizaines d'heures de direct, les plus grandes disciplines, des magazines exclusifs, des programmes d'enfer pour tous les passionnés. Motors TV disponible sur le câble, le satellite et la DSL. Je salue nos amis belges qui sont maintenant avec nous sur ce stadium municipal de Toulouse et je leur annonce à la seconde précise où ils viennent nous rejoindre que le football club de Lourdes mène devant l'AS Béziers par 6 points à 3. C'est un nouveau coup de pied de pénalité qui a été réussi par Antoine Labazui pour Lourdes à la 23e minute de cette première mi-temps.
Roger. Guiraud et Mercier font du très bon travail en deuxième ligne à Béziers. Danos a donné Rénal, Rénal frotte à Gel. À suivre. Contre-attaque de Lourdes, Martine. Fratangel a plaqué Martine. Sur cette mêlée ouverte, l'arbitre a sifflé, car elle menaçait de se fermer dangereusement. Mêlée ordonnée. 45 mètres, légèrement dans le camp de Lourdes. La Bazui. D'un coup de pied retourné. Mais la balle en touche, mais je pense que l'arbitre a vu hors-jeu des joueurs de Lourdes sur ce coup de pied à suivre, ou ce coup de pied en touche de la Bazui. Et c'est un coup franc accordé à Béziers, sur une des 50 mètres, Danos. Et cette fois, Danos trouve la touche sur la ligne des 22 mètres de Lourdes, côté droit. Fort. Vous avez vu sauter ce magnifique Rancé qui donne la balle derrière lui à Vallée. Et Vallée botte en touche. Et pourtant, je vous assure que Guiraud et Mercier font absolument ce qu'ils peuvent en deuxième ligne à Béziers pour contrer Rancé. Et ce gaillard est très dur à neutraliser. Regardez-le bien, il a le numéro 7. Spagnolo. Danos, qui très courageusement a résisté au rush des troisième lignes de Lourdes, s'est retourné et a trouvé une touche. Grancé encore une fois, et cette fois bien contré par la deuxième ligne, Guiraud Mercier sur cette mêlée ouverte. La balle ne sort pas, mêlée ordonnée. Nous sommes toujours sur la ligne des 22 mètres de Lourdes, tout à fait à droite en regardant les poteaux. Danos. Danos, Rénal à suivre. Calvo reprend très bien. Et botte comme il peut en touche, car il était pressé encore une fois par la troisième ligne de Béziers. Et il trouve une touche à quelques mètres de la ligne de but de Lourdes, de son propre camp. Roger joue la touche. Attention, la balle à Béziers. Danos. Rénal, Roger, et Roger est fermé, et Vallée prend la balle pour Lourdes et trouve une touche. Lourdes s'est dégagé d'une dizaine de mètres, non disons 6 mètres. Roger encore une fois. Guiraud, Danos, il trouve une touche à 10 mètres de la ligne de but de Lourdes. Tariq. Attention. Est-ce que l'essai est marqué pour Béziers? Renvoi à 22 mètres. Et là, Lourdes a eu chaud, croyez-moi. Arnal a essayé de prendre cette balle, a été plaqué en même temps qu'il avait la balle. Et l'arbitre fait signe à Guiraud que ça ne marche pas. Coup franc pour Lourdes. La Bazui. Lourdes mène par 6 à 3 et il y a 27 minutes que l'on joue à cette première mi-temps de la finale du championnat de France de rugby
qui oppose Lourdes à gauche de votre écran à Beziers qui joue à droite de votre écran en maillot clair. Roger. Vallée, Labazui, Marquez Susa, Martine, Fort. En avant de passe, l'arbitre l'a vu. Exact, rien à dire. Mêlée légèrement dans le camp de Béziers, 45 mètres à gauche en regardant les poteaux. Danos. Danos par au ras de la mêlée. Petit coup de pied à ras de terre. Et il trouve une touche d'une trentaine de mètres. Nous sommes maintenant à 35 mètres en ligne de but de Lourdes. Fort va jouer la touche pour Lourdes. Nouvelle touche, le jeu est toujours aussi serré, aussi âpre. Il n'y a pas de cadeau ni d'un côté ni de l'autre. Et les deux équipes, maintenant depuis quelques minutes, ont tendance à jouer plutôt le contre. Vallée, directement sur Labazui, une passe d'une quinzaine de mètres. Et Labazui trouve une touche superbe qui reporte les opérations dans le camp de Béziers. 40 mètres. Il y a exactement 30 minutes que l'on joue dans cette première mi-temps. Tout joué par Spagnolo. Introduction par Vallée. Vallée, Labazui. Labazui, Martine. Martine, un grand coup de pied à suivre qui va arriver dans les mains de Dedieu. Très belle réception de 2-2 qui évite le plaquage de Tariq et qui botte en touche. J'ai l'impression que Béziers aurait avantage, aurait intérêt à se livrer davantage maintenant, complètement, à se livrer plus complètement, à essayer moins jouer le contre. Tariq. Balle à Lourdes, Vallée qui essaie de trouver une petite touche qui ne la trouve pas Roger Ramas. Roger attaque au milieu, au centre du terrain, fait une passe. Derrière, à Barrière, Barrière lâche la balle, en avant profitable, et immédiatement, c'est Lourdes qui attaque par Vallée. Vallée qui donne à Marquez Susa. Marquez Susa fait une percée sensationnelle. La balle revient encore une fois à l'autre, Crancé. Oh, Crancé qui fait une fête au centre du terrain. Et au moment de marquer un essai, Lourdes lâche la balle. Et Béziers en profite pour sauver. Mais là, Béziers a eu chaud à son tour. Et Crancé qui se relève, cet interminable Crancé qui a fait une action remarquable. Ainsi que Marquez Susa qui a fait une très belle percée. Lourdes construit beaucoup plus en ce moment. Sortie pour Béziers et Danos. Très astucieusement, botte en touche. Et gagne ainsi une vingtaine de mètres. Touche sur la ligne des 22 de Béziers. Et pour une fois, on ne joue pas sur Crancher. C'est Crost qui a essayé de prendre cette balle, bien contrée. Lourdes a tout de même cette balle. Non. L'arbitre a sifflé. Et c'est une mêlée qui va se jouer presque face au poteau. Légèrement à gauche en regardant les poteaux de Béziers. À 24 mètres. Vallée. Vallée qui n'a pas eu le temps de partir avec sa troisième ligne. Bien contré par la troisième ligne de Béziers. Et Béziers s'en va par Danos. Danos qui fait une percée au centre. Superbe! Et c'est Jean Sanne qui vient de manquer
une occasion en or, vraiment. Hein. Danos avait percé au centre, a donné à Janssen qui a fait un en avant. Vallée. Vallée Calvo qui s'était intercalé. Danos avait fait étalage là, de toute sa classe avec cette percée au centre. Janssen a manqué cette passe. Vallée. Marquez-Suza. Martin. Et Martin trouve une touche à 2 mètres de la ligne de but de Béziers. On plaque pas assez aux jambes à Béziers en ce moment. Ils étaient deux à tenir Marquez-Suza et Marquez-Suza a eu le temps de se retourner et de faire sa passe. Roger. Attention, les échauffe là. Mêlé. À 5 mètres de la ligne de but de Béziers. Vallée introduit, elle va sortir pour Lourdes. Un coup franc pour Béziers. Mauvaise introduction, sans doute. Et Danos va tenter de trouver la touche. Il fait signe à ses joueurs de se reculer, quand, tout de même quand il botte un coup franc. La moindre des choses. Et il botte ce coup de pied de pénalité et trouve une touche à 30 mètres de sa ligne de but. Jusqu'à présent, les deux arrières ont été très bons. Calvo du côté de Lourdes et De Dieu du côté de Béziers. Vraiment très bons, tous les deux. Tariq. Grost, très bien pris cette balle. Il essaie de partir en rafale avec ses avants. Vallée, Martin. Bichon redonne du côté de Marquez-Suza. Encore une fois, Crancé était là. En avant de passe, mêlé. Introduction par Roger, introduction par Danos, j'y tiens, ah, décidément, introduction par Danos, et je pense que la balle va donc sortir pour Béziers. Danos introduit, et non, elle était sortie pour Lourdes à refaire. Danos, Rénal, touche. Tariq. Grost qui donne très joliment derrière. Interception par Béziers et singulièrement par Arnal. Mêlé. Nous sommes à 25 mètres environ de la ligne de but de Béziers. Légèrement à gauche en regardant les poteaux. Vallée sur Marquez-Suza lancé qui donne un coup de pied à suivre. De Dieu est là. Il a le temps de donner derrière lui à Roger qui botte en touche. Il reste 3-4 minutes à jouer avant la fin de cette mi-temps. Et Lourdes mène toujours par 6-3 devant Béziers. Je vous rappelle qu'il s'agit de 3 coups de pied de pénalité. Deux réussis par Lourdes par Labazuil à la 12e et la 20e minute et un réussi pour Béziers par Danos à la 13e minute. Mêlé à proximité de la ligne des 22 mètres, à droite en regardant les poteaux de Béziers, 25 mètres. Danos. Oh là là, nous sommes à quelques mètres de la ligne de but de Béziers. Lourdes part en rafale, Crancé. Attention, attaque générale. Et c'est fort! C'est fort qui marque un essai superbe pour Lourdes. À la 37e minute. Bien, je vous assure que vous avez mieux vu sur votre écran cet essai que nous ici sur le bord de la touche.
Je l'ai suivi sur l'écran, on a vu plonger très nettement fort derrière la ligne. De Beziers. Et je regardais qui va, c'est la Bazui qui va essayer de transformer cet essai marqué par fort. L'ailier gauche de Lourdes. Lourdes a déjà 9. Si la Bazui réussit cette transformation, Lourdes aura 11. Ce que nous allons savoir immédiatement. L'essai n'est pas transformé. Lourdes 9, Beziers 3. 3 minutes à jouer avant la mi-temps. Allez, jeunes, c'est rien avec eux. Jeunes. Allez, allez, allez. C'est rien, allez-y, s'il vous plaît. Je vous signale que c'est Barthès qui entraîne allez, l'équipe de Beziers alors que Jean Prat entraîne celle de Lourdes sur un coup de renvoi. C'est Manterola qui vient d'être projeté à terre. Et l'arbitre ordonne une mêlée. Oh, l'arbitre est pris entre les deux packs. Dégagez l'arbitre, s'il vous plaît. Et s'est dégagé tout seul. Voilà. Entrée violente en mêlée. Introduction par Danos. Le pack de Béziers garde la balle. Les troisièmes minutes, c'est de partir. Jansan qui a la balle ne peut pas arriver. Non! Coup franc pour Beziers. Accordé à 40 mètres à gauche en regardant les poteaux de Lourdes. Et c'est Danos qui va le tenter. Un coup de pied tombé. Passe à gauche des poteaux. Lourdes 9, Beziers 3 toujours. Envoie aux 22 mètres par Lourdes. Arnal. Jansan. Roger. Danos. Danos, encore une fois, qui revient sur lui-même, qui perd la balle. De Dieu, Roger. Qui botte en touche. Il n'avait pas autre chose à faire, il a sauvé même une situation assez dangereuse, là, Roger. Tariq. Français qui a pris cette balle, qui donne derrière, avalé. Interception de Beziers qui part au pied avec sa première ligne. Est-ce que Beziers va marquer? Coup franc accordé par l'arbitre à Beziers à 3 mètres de la ligne de but de Lourdes. Asseyez-vous s'il vous plaît, monsieur, asseyez-vous. Que va faire Danos? Regarde derrière lui. Ils sont à 4 mètres. 4 mètres à la ligne de but de Lourdes. C'est Barrière. Prend la balle. Il joue à la main. Danos qui a pris cette balle pour tenter le drop goal et qu'il réussit. Mais un joueur de Lourdes a touché la balle avant. La balle est passée entre les poteaux, mais un joueur de Lourdes a touché la balle. Le jeu se déroule à droite alors que l'arbitre est en train de discuter avec les joueurs au centre. Drop goal qui n'est pas accordé par M. Parot. Et c'est une mêlée sur la ligne des 22 mètres. Danos à De Dieu. De Dieu trouve une touche alors que l'arbitre siffle la mi-temps.
où se trouve le monument français qui attire 15 millions de visiteurs chaque année. En plein mois de juillet. Vivez les montées d'adrénaline et les étapes marquantes du Tour de France. ESPN Classic vous invite à vivre les moments forts de l'un des trois plus grands événements sportifs mondiaux. Tour de France. HTC, c'est en vous observant que les idées nous viennent. C'est pour cela que le plus élaboré de nos produits, la tablette HTC Flyer, a été conçu pour vous permettre de faire ce que vous souhaitez, avec plus de facilité et en toute liberté. Deuxième mi-temps commence. Pour 40 minutes, Lourdes à droite de votre écran, Beziers à gauche, Lourdes menant par 9 points à 3. Envoi des 22 mètres de Lourdes par Labazui. Touche jouée par Spagnolo. Grand C. Mêlée. 30 mètres face au poteau de Lourdes. Introduction par Vallée. Et Labazui Martine. Interception de Beziers. Une interception de Lourdes. La balle arrive directement dans les mains de Spagnolo. Spagnolo donne un petit coup de pied à suivre pour lui-même. Lourdes ramasse. Elle est ouverte et passionnée, c'est le moins qu'on puisse dire. Touche qui va être jouée par Fort pour Lourdes. Crancé n'a pas pu contrôler cette balle. Beziers part en force. Cafouille un peu la balle. Et l'arbitre accorde un coup franc à Beziers pour hors-jeu de Lourdes. Danos. On a la balle à barrière finalement. Ils vont le jouer à la main, ce coup franc. Réfléchi. Et Barrière appelle de Dieu. Alors Danos a appelé Barrière. Et Barrière appelle de Dieu. Redonne la balle à Danos qui la donne à de Dieu. Finalement, de Dieu va tenter sûrement un coup de pied placé. Un coup de pied placé à 25 mètres environ. Non, 22 mètres même. Soit une des 22 mètres, mais tout à fait à droite en regardant les poteaux de Lourdes. De Dieu. La balle passe à droite des poteaux. Beziers manque encore une occasion là de combler ce handicap de 6 points qui le sépare de Lourdes. 9-3. Renvoi des 22 mètres par Labazui. De Dieu reçoit très bien. Prend son temps et trouve une touche. Il est remarquable, de Dieu. Une touche d'une trentaine de mètres qui reporte les opérations du côté de la ligne des 22 mètres de Lourdes. Fort joue la touche pour Lourdes. Il cherche sûrement Crancé et il le trouve.
Français donne la balle derrière. Et Vallée, au moment où il botte, reçoit un joueur de Béziers. Et c'est une nouvelle touche. Spagnolo. Barrière. Qui s'est donné derrière. Lourdes intercepte. La base 8. Trois quarts de Lourdes en action. Marqué Suza. Taré, coup de pied à suivre, tout ça. Et très bien joué. Et De Dieu fait un arrêt de volée. Ah, celui-là, alors. C'est pas une faute. Hein. C'est comme les Lourdes étaient partis, c'était, croyez-moi, très dangereux l'action. Et De Dieu trouve une touche de 30 mètres et reporte les opérations sur la ligne des 50. Tariq. Vous avez vu Crancé sauter encore une fois. Vous le voyez au cœur de la bataille. Fiez-vous à mon serre-tête blanc. Il domine tout le monde de 10 cm. Vous le voyez au centre de votre écran en ce moment. On va sûrement rejouer sur lui encore une fois. Non. Balle à Béziers. Et Béziers joue ce coup franc à la main barrière. L'arbitre n'est pas d'accord, il faut le rejouer. Et il le donne à Lourdes. Et c'est Labazui qui prend la balle. Renversement de situation. Et cette fois, Labazui ne trouve pas la touche. Oui, mais De Dieu la joue très rapidement. Et les Bétérois, en jouant cette touche très vite, ont gagné 5-6 mètres, pas plus. La rejoue d'ailleurs. La rejoue et c'est Roger cette fois. Oh, ce coup de main de Crancé pour avoir la balle. Vallée, la base 8. Et la base 8 trouve une touche légèrement à l'intérieur des 22 mètres de Béziers. Tariq. Là, je crois qu'il va y avoir un coup franc pour Béziers. Sera hors jeu de Lourdes. Vous l'avez vu. Comme moi. Danos. Danos qui ne sait pas quoi faire, qui le joue à la main finalement. Roger qui donne à suivre. Marqué Suza se fait plaquer. Attaque de Béziers qui pourrait être dangereuse. Calvo est là. Et renvoie en touche. À la sortie de ces touches, Danos botte en touche. Il reporte les opérations dans le camp Lourdes, légèrement dans le camp Lourdes, à 45 mètres de sa ligne de but. Et la base 8 tape en touche. Je pense que tout à l'heure, Béziers avait une occasion. Il avait sa ligne 3 quarts démarquée. Je pense qu'ils auraient dû continuer à pousser l'attaque. Et il y a eu un coup de pied en angle mort, un coup de pied retourné. Mais je pense que là, Béziers avait une chance. Touche jouée par Béziers.
Danos. Touche. Jouée par Roger, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas droite. Mêlée. Mêlée à 30 mètres, tout à fait à gauche, en regardant les poteaux de Lourdes. Vallée, introduit pour Lourdes. Vallée, la Bazui. Et la Bazui, qui se met très loin de Vallée, ne se fait pas prendre par la troisième ligne de Béziers et arrive à ajuster ses coups de pied en touche. Il vient d'en trouver un, là, de 30 mètres. Il y a 9 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps et Lourdes mène toujours par 9 points à 3. Sur la ligne des 50 mètres, nous sommes. Crancé prend la balle. Part en trompe, ce Crancé. Balle perdue par Lourdes, mais récupérée. La Bazui, qui lance la ligne de 3 quarts. Marqué Susa. Martine. Martine fait le trou sur la ligne des 22 mètres. Coup de pied de recentrage. Oh! Je ne sais pas ce qui va se passer là, mais j'ai bien l'impression, sur l'écran, moi je l'ai vu, mais c'est juste. De toute façon, on regarde, l'arbitre était très bien placé. L'arbitre, là, la décision est sans appel car elle était mieux placée que personne. L'arbitre était sur l'action. Et il accorde l'essai. Allô. Je crois que c'est Domecq qui a marqué. Je crois que Domecq a marqué l'essai. Prost, ils étaient deux. Il y avait Prost et Domecq sur l'action. C'est où Prost et Domecq. Je crois plutôt Prost remarqué finalement. J'ai vu le numéro 8, le numéro 6. De toute façon, l'essai a été transformé par la Bazui et Lourdes prend le large et mène maintenant par 14 points à 3. Béziers va avoir bien du mal à remonter ce handicap. Mais remarquez qu'il reste encore 30 minutes à jouer. Et il peut se passer bien des choses en 30 minutes. Danos à la sortie, coup de pied à suivre. Je crois qu'on en parlera longtemps de cet essai. L'arbitre était très très bien placé. Sur l'écran, il est discutable. Encore une fois, M. Parot était exactement à 5 mètres de l'action. Nous lui faisons confiance. Au début, je croyais qu'il n'y était pas. Après, j'ai vu un joueur de Lourdes. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu comme moi. Vous avez votre opinion. Vallée, botte en touche. Pour Lourdes. J'ai l'impression que les joueurs de Béziers sont quelque peu désemparés par cet essai surprise, cet essai foudroyant de Lourdes qui a tout de même été très bien amené par une attaque en coup de pied de recentrage de Martine. Là, ils sont hors jeu, là. Très nettement. Joueurs de Lourdes. Fort. Fort Calvo qui s'était intercalé. Calvo en touche. Il y a deux ballons sur le terrain maintenant. Il y en a un de trop. Vallée. Vallée la Bazui. Et les joueurs de Béziers ont l'air, les avant surtout, de jouer en rafale. Un peu trop, ils étaient hors jeu, coup franc.
francs pour Lourdes. La Bazui. Monterola. Marquez Suiza. Gaël. Lafont. L'arbitre a sifflé. Un avant-passe mêlé. Légèrement dans le camp de Béziers. Danos introduit pour Béziers. Oh là 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 là! Alors Béziers a perdu la balle en mêlée. Janssen a tourné la mêlée, a voulu aller chercher cette balle lui-même du côté de Lourdes et s'est trouvé finalement hors jeu. La Bazui. Danos. Danos contre-attaque sur les 22 mètres de Béziers. Croise. Avec Reynal. Reynal donne derrière. Ça joue pas mal du tout maintenant. Voilà une bonne attaque. Roger. Roger Fratangel, coup de pied à suivre. Nous sommes dans l'embut de Lourdes. Calvo est là. Et Calvo sauve. Dans son embut, il renvoie 22 mètres par Lourdes. Attaque très dangereuse de Béziers, là. Je crois que Béziers a tort de terminer ses attaques par des coups de pied. J'ai l'impression qu'ils pourraient pousser davantage leurs attaques. Mais de toute façon, ils ont des réactions, deux ou trois réactions très dangereuses, là. Renvoie aux 22 mètres par la Bazui. De Dieu. De Dieu qui lance Danos. Danos lance Reynal. Voilà, Reynal, Boggiano. Roger. Est-ce qu'il y est? Oui! Reynal marque un essai pour Béziers. Super! C'est une explosion de joie dans le stade. Sur attaque générale, c'est Reynal, le demi d'ouverture de Béziers, qui marque un essai entre les poteaux. Je vous disais que Béziers avait tort de ne pas pousser ses attaques à la main. Voici une preuve. Lorsque Béziers continue à pousser ses attaques, il est extrêmement dangereux. Et Danos va essayer la transformation. Transformation facile. Facile. Tout de même légèrement à gauche. Il a été marqué au pied du poteau. Pied du poteau droit. C'est-à-dire que Danos botte à balle légèrement à gauche. Mais il doit passer normalement. Oui, et c'est transformé. Et maintenant, Lourdes ne mène plus que par 14 points à 8. Lourdes, 14, Béziers, 8. Et il reste encore 23 minutes à jouer. 23 minutes à jouer. Lourdes, 14, Béziers, 8. Disons qu'avec les arrêts de jeu, il en reste à peu près 25. La Bazui. Renvoie pour Lourdes. Les deux joueurs se poussent là-bas. Roule au sol. Lourdes pousse l'attaque. Un homme s'en va, Janssen. Bloqué sur une 22 mètres. Et finalement, c'est une touche. Légèrement dans l'intérieur des 22 mètres de Béziers. Lourdes très calme, laisse passer l'orage. Allez, très joli ça pour Lourdes. Il joue comme les Lions en ce moment, vous savez, à Lourdes. Et c'est une tentative de top goal par Domecq. Et De Dieu n'aplatit pas contre-attaque. Donne un grand coup de pied haut, que c'est dangereux.
a suivi les 50 mètres. La Bazouille revient. On ne suit plus à Béziers. Il y a juste Janssen là-bas qui suit. Et finalement, la Bazouille qui a eu peur de Janssen, vraiment. Botte en touche, on a les 50 mètres. L'impression qu'on commence à traîner un tout petit peu devant à Béziers. Je vous avais dit en début de partie, qui va tenir à ce rythme-là et avec la chaleur qu'il fait sur ce stadium municipal de Toulouse. Il est évident que les avants souffrent terriblement. Crancé a pris cette balle. Derrière, Vallée. Vallée met en touche. Soit une des 50. Et Crancé qui vraiment sort une grande partie après cette balle à beauté en touche. Balle à l'eau. Sifflé, cette action était sifflée au départ par M. Parot. C'est l'illustre Donald Currie qui fonda la principale compétition sud-africaine de rugby à 15. De nos jours, les filles et les Français sont de la partie. ESPN Classic vous invite à retrouver Lacroix, Rouma et Michalak parmi les cheerleaders pour quelques grands matchs de la Currie Cup. Et c'est une mêlée qui va se jouer sur la ligne médiane. Introduction d'Anos. Balle d'Anos. Et finalement, c'est Roger qui vote en touche. Roger au Boggiano. Je pense que c'est Boggiano. Légèrement dans le camp Lourdes. 45 mètres de sa ligne de but. Tariq. Balle à Béziers. Danos. Rénal. Et Rénal trouve une jolie touche, ma foi, à 30 mètres de la ligne de but de Lourdes. Tariq va jouer cette touche pour Lourdes. Il reste 20 minutes à jouer. Lourdes mène par 14 points à 8 devant Béziers. Tariq. Crancé encore une fois. Et c'est Lourdes qui sort la balle, la Bazouille. Et la Bazouille ajuste un des coups de pied dont il a le secret et dégage son camp d'une vingtaine de mètres. Nous approchons de la ligne médiane. Roger joue la touche pour Béziers. Guéraud a pris la balle. Dans dernière, Danos Rénal. Attention, interception de Lourdes. Lourdes est très près. Béziers conserve la balle. Non, Vallée la prend. Et botte en touche. Très bonne défense de Lourdes qui monte très vite en défense. Tariq, Marquis Susa, Martin et Fort montent avec une vitesse incroyable. Spagnolo. Crancé. Part encore une fois. Oh, que c'est dangereux, ça. Fantagène. Et Spagnolo a pris cette balle du bout des doigts. Si Spagnolo manque cette balle, je vous jure que Fort, lui, ne la manque pas. C'était dangereux. Mêlée, soigne des 22 mètres de Béziers. Tout à fait à gauche, en regardant ses poteaux. Introduction par Vallée. Vallée, la Bazouille. Et la Bazouille, coup de pied en touche à 7-8 mètres de la ligne de but de Béziers. Spagnolo. Pas droite mêlée. Introduction Vallée. Faire.
soleil est caché par les, quelque peu par les nuages en ce moment. Ce qui n'empêche pas l'arbitre d'ailleurs, malgré ce soleil caché, d'avoir vu une faute et d'accorder un coup franc, une faute lourdaise, et d'accorder un coup franc à Béziers qui va être botté par Danos. Qui ne trouve pas la touche, je ne sais pas s'il la cherchait d'ailleurs, mais il trouve Calvo. Calvo sur la ligne des 50, ajuste un coup de pied. Et trouve une touche, lui, à 35 mètres à la ligne de but de Béziers. 30 mètres, à peine. À peine, sur les 22 même. De Béziers qui prend cette balle, les avant, essaie de partir en force, vous les voyez. L'arbitre siffle mêlé. Avec introduction par Vallée pour Lourdes. Balle à Lourdes. Allez, hors jeu. Coffrant pour Lourdes. La troisième ligne a gardé la balle. Et Arnal et Rondy se sont trouvés hors jeu. Coup de pied de pénalité que va tenter la Bazui à 30 mètres à peine à gauche en regardant les poteaux de Béziers. Coup de pied extrêmement dangereux. La Bazui. Balle à droite. Béziers contre-attaque. Oh, c'est dangereux. Béziers a tout de même la balle. C'est une percée. Attention, extrêmement dangereux. Jean Sal, Spagnolo continue. Calvo prend la balle sur sa propre ligne de but et botte en touche. Oh, que c'était dangereux ça. Touche jouée par Spagnolo. La Béziers a gagné, attaqué sur sa propre ligne de but. Il a fait une percée de 60 mètres grâce à Jean San et à Spagnolo. Vallée, introduit pour Lourdes. À refaire. Et c'est une touche qui va se jouer à l'intérieur des 22 mètres lourdés par Spagnolo. Coup franc accordé à Béziers sur un mur lourdé sans doute par M. Parot. Danos. À l'intérieur des 22 mètres lourdés, bonne position. Et tout de même à droite des poteaux de Lourdes. Vous voyez d'ailleurs très bien la position là. Danos. Un coup de pied qui vaut cher pour Béziers. Et qui réussit. Lourdes 14. Béziers 11. C'est du délire dans le stade. Tous les supporters de Béziers agitent les drapeaux. Vous entendez les clairons, les crécelles. Écoutez. ...14 minutes à jouer. Allez, putain ! Allez, brisouille ! Brisouille ! Lourdes, 14. Béziers, 11. Coup de renvoi par Lourdes. C'est la Bazui qui donne le coup de renvoi. La balle arrive directement dans les mains de Dieu. Et de Dieu contre-attaque.
vote très très loin et trouve une touche de 60 mètres. Nous allons vivre des minutes inouïes maintenant cette fin de championnat de France. J'ai rarement vu championnat aussi disputé, aussi acharné. Trois points seulement séparent maintenant Béziers de Lourdes. Touche de Milong. Coup franc pour Lourdes, accordé par M. Parot. Et la Bazui va essayer de trouver une touche. Et il la trouve. Non, De Dieu en route. De Dieu contre-attaque sur le côté droit. Danos. Coup de pied croisé qui arrive dans les mains de Marqué Suza. Marqué Suza. Qui n'a peut-être pas lâché la balle assez vite. Et il était très courageux. De toute façon, il fait une très bonne partie. Mêlée. Mêlée à 40 mètres à la ligne de but de Béziers. Introduction Vallée. Quel admirable dans cette équipe de Lourdes, c'est que jamais Lourdes ne se laisse affoler. Et il regarde toujours les événements avec une lucidité extraordinaire. C'est une grande équipe. Quant à Béziers, maintenant, il jette toutes ses forces dans la bataille. Équipe sympathique qui n'est jamais arrivée en finale du championnat et qui est portée par toute une ville, qui est portée par des milliers de supporters. Touche. 40 mètres à ligne de but de Béziers. Joué par Spagnolo. Mêlée. Introduction sans doute par Béziers, je suppose, étant donné que j'ai vu un joueur de Lourdes qui était d'ailleurs Deslus, paru légèrement jeu, c'est ça. Introduction par Danos pour Béziers. Lourdes pousse en mêlée. Béziers résiste à la poussée. Vous observerez que Domecq est détaché de la mêlée maintenant. Cross vient de faire un arrêt de volée. Que l'arbitre n'accorde pas, c'est une mêlée. Mêlée ou quoi? Oui, il l'accorde. Oui, il accorde, l'arrêt de volée. Cross. Qui fut champion de France l'an passé avec le Racing Club de France. Et qui botte en touche. Nous sommes sur la ligne des 22 mètres de Béziers. Spagnolo. 9 minutes à jouer. Spagnolo. Spagnolo qui accède à l'attaque sur Danos. Danos redresse sur la gauche et ça part là-bas. Reynald Boggiano. Et Danos reprend cette balle. Et un capitaine avisé, il est partout ce Danos. Botte en touche. À 40 mètres de sa ligne de but. Fort. On jette les citrons aux joueurs qui sont complètement épuisés. On leur jette des morceaux de citron. Je les vois voler devant moi là. Fort va jouer cette touche pour Lourdes. En profite, vous voyez, ils viennent se rafraîchir un peu. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté là-bas? Il y a un joueur qui est touché. Voulez-vous, ah oui, Henri Carrier me le montre à l'instant. C'est évidemment pourquoi en ce moment les joueurs en profitent pour manger des citrons à se rafraîchir devant moi. Mais là-bas, il y a un joueur qui est touché. Je ne vois absolument pas. C'est un joueur de Béziers, bien sûr. Je ne vois absolument pas qui est ce joueur. C'est un trois quarts, sûrement. Boggiano, c'est entre Angèle. C'est Fratangèle, centre droit de Béziers, qui reprend sa place et la touche va se jouer par Fort. Lourd. 40 mètres à une vue de Béziers. 8 minutes à jouer. Bien prise cette balle.
La Bazui qui met deux ou trois joueurs de Béziers dans le vent, qui ne trouve pas la touche, et de Dieu prend la balle et lui la trouve. Fort, je la touche pour Lourdes. Grancé. Danos. Oh là là. Et finalement, Béziers qui attaquait s'est trouvé en position de défense sur une troisième ligne de Lourdes avec Domecq et Krost qui montent absolument comme des obus. Touche à proximité de la ligne des 22 mètres de Béziers. Fort. Encore une fois, Crancé qui fait la loi à la touche. Mêlé. Vallée va introduire cette balle pour la deuxième fois. À la sortie, vous avez vu Rondi et Gensan, les troisièmes lignelles de Béziers qui s'étaient détachées. La balle est ressortie en touche. Spagnolo, longue. Les avants de Béziers essaient de partir en passe courte. Manque la balle, roule au sol et finalement, ça repart du côté de Danos qui donne à Spagnolo. C'est arrêté tout ça. La Bazui, on dirait qu'il n'y croit plus en ce moment à Béziers. Et la Bazui, on dirait qu'il n'y croit plus. C'est curieux, les attaques partent arrêtées. Très curieux ça. Alors que j'ai l'impression que c'est Lourdes qui mène et qui joue absolument comme s'ils étaient menés, Béziers n'a rien de plus y croire. C'est parce qu'il se passe depuis deux ou trois minutes, ça part arrêter. Ce n'est pas une réunion au sommet, c'est une réunion entre les premières lignes. Et il se sort très vite l'arbitre, parce que quand on est coincé entre deux premières lignes, ça fait mal. Balle à Danos. Ça, c'est bien joué à la sortie. Il a trouvé une touche qui reporte les opérations légèrement dans le camp lourdé. 5 minutes à jouer. Fort. Fort. Qui est projeté en touche. La fatigue se fait sentir terriblement maintenant, terriblement, fort. Lofort prend son temps pour jouer la touche, évidemment. Coup franc pour Lourdes, sur obstruction à la touche. Et c'est la Bazui qui va botter. Antoine ajuste son coup de pied, trouve une touche à proximité de la ligne des 22 mètres de Béziers. Vallée, contré dans son coup de pied, repris par la Bazui. Touche à 40 mètres maintenant de la ligne de but de Béziers. Spagnolo. Grancé. Vallée introduit pour Lourdes. Balle à Lourdes. Martine. Qui trouve une très jolie touche. 10 mètres à la ligne de but de Béziers. Les joueurs de Béziers m'ont l'air extrêmement fatigués. Les avants traînent un peu. Et les trois quarts n'ont plus le punch qu'ils avaient tout à l'heure. Quant à Lourdes, maintenant, j'ai l'impression qu'ils contrôlent les opérations.
alors que nous sommes en train de vivre les toutes dernières minutes de cette finale. La Bazui qui prend la balle et qui rebote en touche. Que voulez-vous dire? C'est impeccable. Touche à un mètre de la ligne de but de Beziers. C'est du beau travail d'ensemble. Et c'est Spagnolo qui va la jouer. Trois minutes à jouer. Introduction par Danos. Danos, de Dieu. Et de Dieu trouve une touche de 30 mètres. Lourdes, toujours 14. Beziers, 11. Trois minutes. Fort. Nous sommes à 30 mètres à la ligne de but de Beziers. Balle enterrée. Mêlée. Je ne ferai, on fait signe que je n'aurai le temps de faire aucune considération technique sur ce match, car dès la fin du match, je dois renvoyer immédiatement l'antenne à Paris. Je pense que vous aurez eu, comme moi, la possibilité de vous faire une opinion sur ce match qui aura été passionné, acharné de bout en bout jusqu'au bout. Voici la, une attaque de Beziers. Ça sera peut-être la dernière, mais elle est dangereuse. Calvo manque son arrêt de volée. Il est pris de vitesse par les avants de Beziers. Et c'est une touche qui va se jouer à 30 mètres de la ligne de but de Lourdes. Nous vivons maintenant les toutes dernières minutes, peut-être les dernières secondes de ce match. Tout joué par Spagnolo. Mêlée. Mêlée qui se joue légèrement avec une petite explication que je regardais entre Fort et Spagnolo. Ce n'est pas grave, mêlée à l'intérieur du camp de Lourdes. Danos, ça s'explique terriblement sous la mêlée en ce moment. Oh là là! Et l'arbitre sépare tout le monde très... très sec d'ailleurs, qui fait preuve de beaucoup d'autorité, monsieur Parot. Je crois que c'était nécessaire, car sous la mêlée, vous avez vu qu'il se passait des choses assez curieuses. Oh là là, cette rentrée encore une fois en bélier. Les joueurs souffrent en ce moment, luttent pour ce bouclier de Brennus. Spagnolo donne un grand coup de pied à suivre, qui arrive dans les mains de Calvo. Et Calvo... botte en touche et l'arbitre siffle la fin du match qui voit la victoire de Lourdes qui est sacré champion de France pour la 7e fois et qui bat Beziers par 14 points à 11.